Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je continue de l'aménagement dans l'atelier. Je vais me fabriquer un support pour ma visseuse, mes batteries et mes chargeurs. Allez, c'est parti! Alors, pour ce support, quelques chutes de contreplaqué, du 10 mm d'épée, PVC de 80. On va fabriquer ça. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, on va prendre quelques cotes. Moi, ici, j'ai deux visseuses. Je vais faire trois supports parce que j'attends un petit peu, mais je vous fais voir ça. C'est ça que je vais acheter. Alors, pour ce support ici, ben, tout simplement, du PVC de 80, on va venir faire une entaille dedans et comme ça, on viendra installer mes trois tubes plus l'ensemble des deux chargeurs et des batteries. Allez, maintenant, croquis. Bien, bon, vous avez vu, ça y est, c'est présenté, quelques coupes, les trois tubes. Il me reste encore ici, on va faire un trou et on va faire la fente. Mais avant tout, je voulais vous faire voir quelque chose. Pour l'assemblage, souvent, ici, on va venir, c'est du 10 d'épée, on va venir coller, assembler l'ensemble. Souvent, on utilise des vis, quelle que soit la longueur de la vis. Hein. Bon, là, j'en ai des longues, mais ce sera un peu plus court, mais voilà. Vis de 4, on arrive. On a toujours l'éclatement ici. Là, on voit sur YouTube pas mal de choses. Et là, je vais voir, je vais essayer ça. 5 euros chez Lidl, vraiment pas cher. Hein. Donc, on a le forêt qui est pas comme les forêts, tout à fait comme les autres, qui est un grand guide ici. Et la partie de la fraise ici pour venir loger la tête de la vis. Je vais faire un test, on va regarder ensemble. Je vais faire 100 avec. Pour 5 euros, faut peut-être pas se priver. Allez, c'est parti. Oui. On sent le perçage tout de suite, là ça éclate, on éclate complètement le bois. On va venir avec le perçage de l'autre côté, je vais me mettre beaucoup plus près. Voilà, là vous voyez mieux, donc vous voyez l'éclatement ici, lorsqu'on ne perce pas. Avec cet outil, on n'a plus du tout d'éclatement sur la planche.
Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Vous avez vu, je prends mes visseuses très rapidement, je vais mettre où je souhaite. Et comme ça, j'ai tout à portée de main. J'arrive ici, j'ai mes chargeurs, je peux brancher toutes mes batteries. Et voilà ma station de recharge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!